Il est arrivé. À ton avis? Ça assomme ton truc, hein? J'ai une aise pendant que tu pionçais. On va la retrouver ce soir. Allez, je te laisse ouvrir. Moi, je vais pisser. À quoi, Charlot? T'as flippé? Connaissant papa, il doit être encore chargé. Tu crois? Comment ça s'ouvre, ce machin? Fais gaffe, Dan. J'ai déjà rassemblé quelques-unes de tes affaires. Bah, j'ai fait ça très rapidement, donc tu regardes ce que tu veux ramener. J'ai tout mis là, dans le coffre. C'est incroyable que tu l'aies retrouvé. Tu pleures? Non. Mais si tu pleures? Non. T'as peur. Mais alors si t'as pas peur, on va voir ce qu'il a dans le couloir. Je croyais qu'on l'avait jeté. Qu'est-ce que tu fous? Regarde ce que j'ai trouvé. Château Neuf de Pape, 1969. Eh bien, viens. C'était les vers de maman. Ça a été dur pour papa quand elle est partie, tu sais. T'aurais dû le voir me raconter tout ça, ça. C'est bizarre. La maladie, franchement, ça l'a beaucoup changé. À la fin, il paraît qu'il était tellement faible qu'il ne vivait plus que dans cette pièce. Et ça t'intéresse ce que je dis? Parce que si c'est le tableau que tu veux ramener, pour moi, il n'y a pas de problème. Non, c'est... Ah oui, ça a vachement l'air d'aller. Tu veux plus qu'on vende la baraque ou quoi? Non, laisse tomber, c'est pas ça. Écoute, pour les meubles, prends ce que tu veux. Et le reste, je préfère qu'on s'en débarrasse. Attends, tu déconnes. Tu veux rien? On va pas tout vendre quand même, c'est trop con. Garde au moins un meuble ou deux, histoire de... Non. Ça va? Ouais. T'es tout seul? Non, Marc est allé voir la tombe de papa. Ah, bah oui.
Il paraît que tu nous sors ce soir. Ouais. Il y a une petite fête chez des amis. Enfin, ils sont plutôt des gens à picoler, hein. Je sais pas si ça te plaira, mais... T'as rasé ta barbe? Ouais. C'est chouette, hein. Merci. Ça va, Inès? Ouais. On y va? Ouais. Ça va? Ouais. C'est marrant ça, pourquoi tu l'éteins tout le temps? En fait, celle-là est complètement foutue, et comme ça me fatigue d'entendre d'une seule oreille, je l'éteins de temps en temps. Mais ça me fait un peu comme une méditation. Je me retrouve seul avec moi-même. T'es un vrai poète, hein, toi? Ça te dit de rentrer? Je m'ennuie. Et puis Marc m'a parlé des caisses de vin. J'avoue que ça me dérange pas. Je vais prévenir Marc. Ah bah, c'est pas la peine, hein. Il s'est arrangé. Il dort chez Sandrine, une copine. On y va?